Avant de développer ces titres, sachez d'abord que le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au palais royal de Rabat plusieurs nouveaux ambassadeurs. Le souverain leur a remis leur dahir de nomination. Ont été nommés Mohamed Ben Chaboun, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès de la République française, Karim Drak, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès du royaume de Suède et de la République de Lettonie, Hassan Nasseri, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès de la République du Sénégal, de la République de Gambie, de la République de Guinée-Bissau et de la République du Cap-Vert. Driss Isbayen, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès de la République du Mali. Mohamed El Basri, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès du Royaume des Pays-Bas. Mohamed Sbehi, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès de la République de Grèce et de la République de Chypre. Wissen Zailashi, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès du Commonwealth d'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de Tuvalu, de la République des Kiribati, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ali Ben Issa, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès de l'État de Koweït. Abdrahim Mouziane, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès de l'État de Palestine. Hicham El Alloui, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès de la République de Cuba. Hakim Hajoui, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Nabil Afridji, ambassadeur de Sa Majesté le roi auprès du Royaume de Norvège et de la République d'Islande. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et du chambellan du roi, Sidi Mohamed Al-Alaoui.